Et donc, bienvenue. Non, je ne suis pas Bob Lennon, je sais. Alors, le son est fort, est vraiment fort. J'espère que je parle plus que lui. Normalement, oui. Je sais que je ne suis parle pas énormément fort dans les vidéos, c'est vrai. On va faire un effort, mais c'est quand même, on entend quand même. Sauf quand il y a des sons comme ça, c'est vrai que, il faut se concentrer un peu. Bon, faites un effort, quoi. Je résoudrai peut-être le problème plus tard. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans l'épisode 4. L'épisode 4, où on va aller inspecter le château. Donc j'ai regardé l'épisode précédent, enfin quelques passages, et ça a l'air d'être quand même mieux. Il n'y a pas l'air d'avoir eu beaucoup de saccades. Alors oui, c'est pas très pro, je devrais regarder tout, mais bon. Je n'ai pas beaucoup de temps. Merde. Alors ouais, là, je vous rappelle qu'on s'est attaché une corde, du coup ça va être compliqué. Hop! Oh, regardez. Hop! Et cette gâchette-là. Ouais, je réfléchis toujours un peu, parce que si je me fais niquer, parce que... pas fait la bonne gâchette, tu vois pas. Ah oui, voilà. J'aurais peut-être dû faire, mais c'est pas grave. Hop. Et hop. Hop, on va lâcher cette gâchette là. Alors là, je suis désolé, hein, faut vraiment que je me concentre. Faut pas foirer ce passage là. Là et là. Puis. J'ai cru que j'en étais raté. La pire chose, un truc qui serait vraiment ridicule, ce serait de lâcher les deux gâchettes en même temps, vous imaginez. Faut pas y aller. Bon. On va les remettre bien par rapport à comment je sais bien les utiliser. Quand tu montes, connard? Hop, c'est reparti. Quelque chose me dit qu'on va refaire un peu de balançoire. Donc encore de l'escalade, hein. On revient encore sur ce magnifique sujet. Alors je ne sais pas. Non, clairement il peut pas sauter jusque-là. Donc. Oula, j'ai dit on va essayer d'enchaîner ça vite, mais apparemment j'ai pas le temps. Bon, je maîtrise. Bon, clairement, on peut pas ouvrir la porte. Oh. Attendez, mais du coup, ça sert à quoi ça sert... Ok, ça sert à rien. Je croyais qu'il y avait un chemin sur le côté. Alors. Ouais, toi tu vas monter, toi tu vas rester là, toi tu vas monter comme ça. Hop! Est-ce que tu peux... Ouais, c'est bon. Et du coup... est-ce que tu peux monter encore? Parfait. Bon, le plus dur est passé, je pense. Y a beaucoup. Oh, vous entendez ce bruit? Je sais pas ce que c'est. Ah, je pense savoir en fait ce que c'est. Peut-être à l'intérieur de la tour.
j'ai cru qu'il y avait une cinématique. Bon, clairement, on n'a pas été béni de la meilleure configuration. Oh là là, quelle horreur. Alors j'espère que vous n'entendez pas le téléphone qui sonne. Si c'est le cas, de toute façon, le let's play est déjà assez... assez peu pro comme ça, j'ai envie de dire. D'ailleurs, mon jeu... J'y pense, je n'ai même pas éteint Discord, donc ça se trouve, on va entendre du bruit de Discord. Vous savez, comme il y a très longtemps, des notifications Skype. Donc, nous voici de retour. Désolé, hein, j'ai dû prendre l'appel. Bon, du coup, j'ai regardé les 6 minutes, 5 minutes d'avant, et bon, il n'y a pas de saccade, c'est cool. Par contre, on entend le téléphone. Heureusement, on n'entend pas le message qui a fait que j'étais décroché. Allez, on continue. Du coup, ça va me forcer à faire du montage, ça. Faire des petites cuts. Hop! Schlack! Par contre, j'ai vu que le son était pas ouf, mais je peux pas faire mieux en fait. Le truc, c'est que mon micro est déjà à fond. bah, je suis désolé, hein. Je vais peut-être mettre une. Baisser encore plus le son, bon, c'est vraiment le let's play bêta quoi. Sur Babylon Pv3, miraculeusement, c'était vraiment bien passé. Bon, il y avait le problème de son et pas le problème de saccade, mais. Un truc qui est très étrange, on va laisser la cinématique qu'on va regarder, je vous en parlerai après. Géant qui vit ici. Bon, le truc qui est très étrange, c'est que sur YouTube, la vidéo est à un son assez bas. Je veux dire, pour pouvoir entendre correctement, il faut mettre le son à 120, 130%. C'est bizarre, je sais pas pourquoi. Si vous savez, j'ai des. Ah oui, j'ai dit, n'hésitez pas à me donner des retours, mais c'est des conseils. C'est bien aussi. Ouais, mais c'était un phénix? Non. C'est quoi? C'est un. Oh là là, je ne sais plus. C'est pas un phénix du tout. Hein. Je vois pourquoi je dis ça. Vous savez, million, mi-aigle, je crois. Oh, il est triste. Il est tout petit aussi. On va le libérer. Et donc oui, clairement, faut aller au levier à gauche. Encore une fois, on a vraiment une scène qui est très jolie. Hein. Putain de mise en scène. Ouais, ok, c'est bon. Il est blessé. Oh. Oh.
Et oui, préparez les mouchoirs parce que on continue d'avancer. Et plus on avance, plus on a tendance à rencontrer des choses vraiment très. Je ne sais pas dire. Je ne sais pas. Je ne trouve pas de mots pour exprimer ce que je veux dire, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Et notamment cette zone-là, elle va savoir bien exprimer ce que j'ai envie de faire part. Oh mais je rêve, il y a le chien qui aboie. Vraiment, on peut pas record dans ces conditions. Alors les fameux géants. Qui sont tous morts, apparemment. Il y a une guerre, quelque chose comme ça. Entre qui et qui, entre les gens et les géants, deux factions de géants peut-être, je ne sais pas. Mais du coup, la tour qu'on a vue plus tôt, c'était sûrement un de leur espèce. Quoique, je ne sais pas, est-ce que lui était aussi grand que ça? Je sais même pas. Donc là, cette zone, elle est vraiment horrible. Je peux pas dire. Bon, toi à gauche, toi à droite. On a vu que l'eau, elle commence. Enfin, le sang dans l'eau. Ah, il y a des vautours. Oh, c'est horrible. Ah, cette zone me met vraiment mal à l'aise. Hein. Ok, ouais, ça va bien casser. Peut-être sauter en essayant de s'en accrocher. Oh! Oh le pauvre, il est déjà mort, mais enfin, ah, le sang ici a carrément a remplacé l'eau, j'ai l'impression. Ça arrive. On va faire le tour. On perçoit là-bas la suite. Tiens, qu'est-ce que c'est en bas? C'est bizarre. Ouais, je pense que c'est pas par là qu'il faut aller. Là, c'est pour avoir un panorama. Non, pas par là. C'est un bel élan. Clairement, c'est pas là la suite. Hein. Est-ce qu'il y a moyen de choper, enfin de pouvoir monter en haut? Bon, pourquoi j'arrive pas à contrôler les deux là? Les deux tours là? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de passer par là? Non. Je suis désolé, là je suis un peu perdu.
Ça se trouve, c'était vraiment par là qu'il fallait aller, et je dis n'importe quoi. Ah, oh, mais. Je m'énerve tout seul. Ah, bah voilà. Fallait bien passer sur cette flèche, mais. Je suis juste. Pas très bon observateur, et je n'utilise rare. Enfin, j'utilise jamais même la feature de caméra, alors que je devrais. Oh non. Oh non. Pas bien ce qu'on fait. Miam. Heureusement que j'ai mangé avant. Alors là, le banc, pas une signification de ouf, hein. Je veux dire, avant c'était pour se reposer, se détendre et apprécier le paysage. Est-ce qu'on peut parler d'apprécier le paysage? Je suis pas sûr. Enfin, je parle pas beaucoup, hein, j'en suis conscient, c'est voulu. Je considère que dans un let's play, il faut quand même avoir un minimum de. Enfin, un minimum apprécier le jeu, quoi. Donc, clairement, ça sert à rien, ça. J'étais obligé de mettre ça, franchement, j'aurais pu marcher normalement. Va falloir charger la flèche. Pouvoir ouvrir le passage. Malheureusement. Ah! Oh, Naïe! Ya! Mais il a pas l'air d'être très enthousiaste. Ok, il a peut-être dit que ça a ouvert un nouveau chemin, je ne sais pas. Je l'interprète plus comme un cri de protestation. Alors ici, c'est carrément du sang, ouais, là, pour le coup. Quelqu'un qui parle, je sais pas si vous l'entendez. Ah, là-bas, regardez. Oh, on a changé de couleur. Ils font un sacrifice ou quoi? Ça laisse des empreintes, c'est cool ça quand même. Petit détail. Alors, ils essaient d'invoquer un grand ancien, quoi. C'est quoi le truc? En sacrifiant quelque chose ou en adorant quelque chose, je ne sais pas. Et là, la chose qu'ils ont invoquée l'a aidé à battre des araignées en quatre pattes, des trucs. Ah. كيف هذه؟
Bon, clairement, ils essayent de la... Enfin, ils vont la sacrifier pour invoquer leur dieu. On voit un dessin du dieu, là, juste en bas. Je vois, on voit plus, là. Si vous avez attentif... Si vous aviez... Enfin, si vous avez été attentif, vous l'avez vu. On va falloir faire en sorte de sauver cette personne. Je ne sais pas comment. Mais j'ai mon petite idée. Regardez, on est clairement sur... Attendez, on va se faire tuer si on fait ça. Voilà. Je pense que... Ça ressemble quand même pas mal. Hein. Quoi? Oh, Goten et Trunk? Bon, là on a hâte de se casser. Ils ne passeront jamais cette porte, c'est bon. Sommes sains et saufs. On va encore la suivre un peu, hein. Prolonger la durée de l'épisode. Je pense que... On a 17 plus 5, ouais, allez. Encore quelques minutes, j'ai envie de dire. Mahameda. Araba. Ah. Iyadai. Mabihia. On va prendre le bateau. Ok, donc... On peut tourner à droite. J'ai galère, hein. Je fasse quoi en fait. Ouais, et là, ça le fait aller vers l'avant. Ouais, bah c'est bon. J'ai compris comment on faisait là. Hop. Et c'est parti. On a encore du sang là. On arrive dans un truc un peu plus glacé quand même. Alors regardez l'eau, elle est jolie quand même. Mais... Oh, il y a un truc en dessous de nous là. Et puis là, il y a Kyo encore qui sort. Oh, une sorte d'orque, mais... Ah, tout à fait, une orque. J'espère qu'elle ne va pas faire mal. Alors clairement, faut éviter les bulles, hein. Allez, avance. Je suis pas mal stressé par ce truc qui est juste en dessous de moi là.
Ah, ça m'a poussé. Enfin, vraiment, la femme, elle pourrait quand même prendre une rame. Hein. On va dire, le gamin, il est pas fort. Ça se voit dans sa manière de ramer. J'espère que la séquence dure pas longtemps parce que j'ai pas prévu de faire aussi. Non, faut aller de l'autre côté, par là, comme ça. Voilà, nickel. J'aimerais pas me faire bouffer en fait. Fouille-y-y-y. Le grand frère, il fait vraiment toute la poussée, c'est lui. Hein. Pour ça qu'il y a une dé... enfin, il s'est désorienté à droite. Un peu du mal. Allez! On est arrivé, les loulous. On est arrivé. Ah oui, c'est bon. J'ai plus rien à faire. Bah, elle aura au moins fait quelque chose. Bon, je pense que c'est le moment de se dire au revoir. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 5 déjà. Et oui. En attendant, portez-vous bien.